habitants, avant d'entrer dans le développement journal, là, nous prenons dire quelques points cap de l'actualité. Là, mais laissez-nous aller, collaborateurs. Nous, Romanes Samedi. Bonjour, Romanes Samedi. Bonjour, Blaise. Bonjour, Rousseau Ezekiel, qui a fait manœuvre technique en Haïti. Bonjour, Didier, on est Miami. Déjà, bonne écoute. Ce petit Romanes Samedi, quel point on a bien pour nous développer dans l'édition nouvelle si là pour matin. Des blousailles pétées hier soir, mardi, à devant le ministère intérieur, collectivité territoriale, le sous-champ de masse. Dans le moment information, t'a fait comprendre, une délégation qui gagne en tête, les députés Kinskoff, Alfredo Antoine, t'es arrivé pour installer citoyen Gino Bonnet comme nouveau directeur général Bratsa pour remplacer Fidel Monchéri. Plusieurs militants partisans actuels déjà t'es campé en quoi contre installation ça côté au boulet caoutchouc devant ministère. Faut nous dit député Kinskoff là, Alfredo Antoine, Radio Mega t'es contacté. La VML, tant qu'on pose Pilate, l'idil par contre bagaille qu'on s'a d'ailleurs installé directeur général pendant l'attribution. Faut nous dit ça commence, ben, pile qu'est sauté avec ces réinstallations qu'a fait dans les champouels saillot, côté en pile nègre qui était ancien directeur, qui a commencé à sauter parce que, bah, on qu'il est, il a bien installé en l'autre monde, non pas sûr. Président République là, Jovenel Moïse a participé dans une activité qui peut être non, Concordia Annual Summit 2018, toujours dans le cadre de participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies dans ville New York. Dans la discours circonstance, les chefs de l'État rappellent gros bata administration à mener pour renforcer gestion risque à désastre. Pas bon ici, n'a pas rappelé président Gepouchit a parlé avec la communauté diaspora haïtienne dans la ville New York à ce mercredi. D'après une porte-parole présidence, Martine Denis Chandler. C'est en présence Premier ministre Jean-Henri Séan, Office Management et Ressources Humaines. La CIM a dit à un séminaire sur finalisation programme modernisation l'État PME 2023. Document ça doit permettre gouvernement jeter base pour réformer l'État tout bon vrai qui c'est une nécessité. D'après chef gouvernement Jean-Henri Séan qui m'a dit fonctionner l'État ou mettre en application programme PME 2023. Organisation victime choléra Haïti a annoncé à planter piquet matin mercredi 26 septembre dans devant palais justice à subi centenaire dans l'idée pour exiger autorité concernée mettre cap et commission qui chargée pour planifier dédommagement toute victime choléra yo Jean Akokitesien entre Nations Unies à quel dirigeant pas bon ici sous dossier ça faut nous dire l'autre bord proche victime choléra dans localité Bokouze La Chapelle Mibale dénoncer rapport responsable dans Nations Unies mettez dehors pour faire quoi yo chita parler à quel parent victime yo sous causé dédommagement. Assemblée parlementaire francophone APF prend fin à mardi au niveau parlement haïtien. Côté parlementaire qui sorti dans 85 pays francophones ont échangé sous différents thèmes tant que la paix et la démocratie. Série échange ça qui était dérapé lundi 24 septembre l'en permettant et au partager expérience avec parlementaires étrangers yo sous façon yo fonctionner d'après président Grand Croix Joseph Lambert qui dressait un bilan positif des activités ça. Directeur exécutif collectif Défense Plus Antonin Mortimer dénoncé décision Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ prend pour désigner commissaire gouvernement Port-au-Prince met Oknam Klamé Damius comme coordonnateur direction inspection judiciaire dans CSPJ une décision qui pas cadré avec la loi d'après défenseur droit monde qui mandé conseil la tourner sous décision ça. Gagné environ 7 médicaments qui faut sous chaque 10 cap vend en Haïti. D'après association pharmacien haïtien qui t'a organisé un colloque dans l'occasion journée internationale pharmacien yo hier mardi en baptême mon pharmacien mon bouclier mon conseiller association fait déduction ça à cause organisation mondiale la santé révélé sous chaque 10 médicaments pour pipiti gen yon qui faut dans pays ya dans pays développé hôpitaux l'état haïtien gen intérêt pour régulariser secteur ça dans pays ya d'après pharmacien Haïti son pays spécial côté mon avant nos médicaments qui boit pas bam est-ce que vous êtes médecin, est-ce que vous êtes pharmacien ou pas qu'on est seulement, il y a bon médicament pour toute maladie. 23 septembre qui se passe là, saute fait 5 années depuis arrêt TC-168-13 d'un métier dominicain d'origine haïtienne, tout uni, sans nationalité, pour nous dire 5 années après, citoyen ça toujours pour qu'on compte qui côté au garde à vivre dans une situation difficile dans la République dominicaine. Groupe cap à pied, réfugié à rapatrié au garde, mais d'autorité dominicaine prend responsabilité devant situation ça. Dans différentes rubriques, mesdames, messieurs, nous pourrons regarder comment temps levé avec madame Shirley Saint-Victor, nanon UHM, Unité Hydrométéologique Pays d'Haïti. Nous pourrons la connaître, est-ce que nous sommes capables de traverser dans la rubrique, traverser pour matin avec différents collaborateurs qui trouvent dans différentes zones, pour nous citer Salomon Sedmé, John Wesley, Jean-Vier Abdias Aristide, Jonathan Charles, Fritson Ulysse. Dans parole, la collectivité a gagné un problème volataire qui tourne un piquant coin là, dans la autorité ou dans la commune grecienne. Côté que gros potentat à gros pouvoir pas suspendre saisie tes citoyens yo
Situation ça t'est la cause habitants ou dans zone ça bloqué route la week-end qui s'est passé là. C'est dans sens ça Jean-Philippe Martin après recevoir premier citoyen commune ça Jean-Joseph Hilaire. Martin a espace invité journal la parole équilibrée collaborateur non Salomon Sedmi pralgué pour le recevoir président Fédération nationale travail et santé dans l'hôpital public yo qui c'est Félix Milolévi. Madame monsieur différents prince ayo kan pilote pral faire troisième rendez-vous journal méga matin pour semaine ça développement actualité à Rousseau Ezekiel. Ça gagne comme nouvelle. Escombri de pété hier soir, m'a dit à devant ministère intérieur collectivité territoriale yo. Dans moment information où t'a fait comprendre, yon délégation t'est arrivé pour installer citoyen Gino Bonner comme nouveau directeur général boîte ça. L'état prend place Fednel Monchéri. Plusieurs militants en partisan actuel déjà t'est campé en quoi contre installation hein. Côté reproché député Alfredo Antoine, député Kinskoff comme monde qui t'a derrière des autres ça. Coordonnateur secteur démocratique populaire constructive pour une nouvelle Haïti, Robinson René qui dit même n'a pas répondu question Radio Mega, critiqué président République là tout dit pas possible pour ces nanuit installation wap fait dans toute boîte Magali habitant victime de ça ou même yo campé en quoi pour Fidel mon chéri pas passer même gens. En côté Robinson René la répondre question Radio Mega. Donc là monsieur Fidel pas là mais pas bon que problème mais fait selon les principes les normes. Moi, je suis d'accord, comprends. Mais je l'ai fait là, du tout, nous-mêmes, nous pas d'accord, parce que nous-mêmes, nous avons protégé les actes démocratiques, nous avons demandé que c'est pour les gens de respecter, parce que c'est nos pays que nous avons dit. Député Alfredo Antoine Lavemel, tant qu'on pense Pilate, il dit non seulement il pas contre ça, mais tout ça va dans l'attribution. Comment se fait-il que c'est lui-même qui t'apparaît en personne pour t'installer Bonicette? Il l'a vu, mais comme pense Pilate, donc nous, députés, donc, merci. Et nous félicitons tout parce que l'inné civil, parce que nous croyons que c'est vassalisant à vassaliser institution nord, peut-être que il fait partie de lui, qui est le Parlement haïtien. Donc maintenant, pour son député, qui a marché, député a marché installé directeur, nous pensons que ça va d'abord, ça va faire honneur nous-mêmes, dirigeants secteurs, et nous-mêmes haïtiens. Donc nous pensons que nous avons mis des pays dans une situation qui est extrêmement difficile, nous avons avisé tout haïtien. En fait, nous campons là pour qui ça? Pour nous empêcher, quel que soit mon installé, ou bien empêcher que c'est un député qui vient installer un DG dans tête ministère intérieur. Il faut nous ne pas camper en face d'une décision que le président prend. C'est le cas qu'on pour qui ça que le prend décision. Maintenant, il faut qu'il a communiqué avec le directeur. Là. C'est vrai qu'ils sont arrêtés, qu'ils ont pris une autre arrêté. Donc maintenant, nous comprenons qu'il n'est pas fait. Mais de l'autre côté, c'est façon. Moi-même, moi, compte, c'est façon que ça a fait. Là. C'est façon que la fait. Donc, pour l'été, et puis, dans la nuit, et puis, pour nous, beaucoup de monde, ou bien pour ministre, venir remplacer le monde. Et ça nous reproche que le président, donc, nous ne pas croire que c'est Fidel. Quel que soit le monde, non, pas qu'à lui faire pour ça. Pas qu'à lui faire, il fait dans SMCRS, dans la nuit, puis ça fait. Et encore, il a ce qu'il fait, malheureusement, il y a des militants qui sont très vigilants, qui sont place, et puis, ils ont empêché que ça fait. Est-ce que c'est militant qui a fait mouvement avec propre volonté ou bien selon Pludin c'est à Fidel mon chéri qui a mis l'argent d'ailleurs pour faire mouvement ça? Connaissant Fidel mon chéri, pas du tout pas mettre l'argent, il faut me dire moi-même, n'importe problème, moi-même Robinson, quand a reproché M. Fidel mon chéri, peut-être de arrogance que l'État a gagné ces derniers temps, mais il faut me dire non, c'est un monde qui composé avec militants, donc vraiment familiarisé avec militants. Et là, il n'y a pas de compte que Fidel a investi pour militants campés pour lui. Donc, il faut dire que c'est de manière volontaire. Donc, les militants ont estimé que des géants du camp de service travaillent avec eux. Et puis, ils ont campé. Voilà, nous sommes de côté, on est capable de dire Robinson René, qui est coordonnateur général secteur démocratique populaire constructive. Yo même hier soir qui était sous deux pieds militaires, hein? Devant le ministère intérieur pour aller dire non. Et coup ça pas passé, s'il était passé dans SMCRS qui je dis à une SNGRS côté remplacer madame habitant par une autre personnalité, un bien personnage, yo même ça pas passé dans niveau ministère intérieur dans direction boîte ça
parce que yo pas d'accord Jean y a fait installation Chapelle ça pour ta venir remplacer Fidel Monchéri comme DG ministère intérieur. Ben hier soir là, eh bien c'était gros mouvement devant ministère intérieur. Eh bien en pile information t'a fait quoi, eh bien gagné député Keskoff là qui c'est Alfredo Antoine lui-même, c'est lui qui a venu faire installation ça. Eh bien député Alfredo Antoine qui t'a préagi hier soir, me connais mis sur beaucoup de la prochaine si me pas trompé, eh bien avec Guerrier Henri Li voyez jeter information ça lave maintenant au Ponce Pilate, il rappelait avec militant yo, il rappelait avec amis auditeurs yo que yon député yon parlementaire disons pas gain sa attribution marché installé moun nan poste directif yo nan boîte l'état. Ça veut dire cette histoire ou t'a fait quoi que li même nité hier soir t'a accompagné avec un citron portal installé dans ministère intérieur comme directeur général en place Fidel Monchéri li même li pas kon bagage ça du tout et ça pas nan mission comme député. En écouter député Alfred Antoine li même cap dit non plus sur dossier ça. Ou fait saut dans ministère là. Information t'a fait quoi que ou té a fait tentative pour ta mettre au monde comme nouveau directeur et ministère intérieur parce que c'est ça yo dit de l'autre station radio dit et ou t'a essayé mettre un certain de Gino Bonnet. Moi dit tête moi yo fait lier pour Garibodo, moi t'ai connu c'était pas vrai Garibodo pas jam et m'pa quoi monsieur dans niveau pour la craser SMCRS dans nuit pour la mettre moun. Jodi yo parlé de ou même qui t'a essayé faire tentative pour aller c'est pour faire réseaux sociaux ça yo. C'est fun pour dans la dedans nuit. Comment moi bien et moi il y a plusieurs amis qui a pris les qui dit est-ce que et ça a attendu sur réseaux sociaux ça a ouais et a regardé et ça a attendu que le monde qui relève pour station de radio au sœur qui ont émission un peu qui fait dans nuit tout est-ce que c'est vrai que dans installé on directeur général dans ministère de, déjà il n'y a pas d'attribution aucun parlementaire pour aller installer un directeur général. OK? Donc bah que m'pa quoi que constitution ba nous mandat ça. Youn et pour public là, surtout fidèle auditeur, pour canter la parole, député Alfredo Antoine pa jam aller dans aucune installation officielle, que ce soit ses premier ministre, moi recevoir invitation, moi pa jam participer dans installation ça. OK? Voir pour que moi-même, je vais aller en personne pour aller installer le directeur général de l'information que je ne vais pas confirmer tout, que je vais changer de directeur, je ne vais pas au courant de ça. Ok? Donc, ça veut dire, même une certaine implication de loin ou de près, on va gagner la question ça. Non, loin du tout, loin de là. Pas jamais une histoire comme ça. Question aller dans l'installation et directeur général, non, jamais. C'est pas attribution, mais recevoir des invitations de ministres, directeurs et premiers ministres, même premier ministre Jacques Guy Lafontaine, y compris l'actuel premier ministre, et qui invite dans l'installation par exemple aller pour ce que Paris met là. OK? Mais est-ce que entre-temps ou gagner on s'y contentieux avec Fidel Monchéri? Non. Est-ce que me gagne un problème avec le directeur Monchéri? Oui. Non, aucun. Sauf que moi connais que dans période campagne électorale et directeur Monchéri à l'époque était candidat au Sénat et c'était un candidat PHTK et député ancien député Anel Belizer qui était candidat que m'a appuyé candidature président Jovenel était monté m'a présenté le bail population Keskoff là à l'époque que m'a fait campagne pour lui était ensemble avec Monchéri et moi t'ai dit que directeur et candidat mon chéri pas capable de prendre la parole sous c'est déjà parce que moi présenter population la caïmen un candidat déjà qui était Anel Belizer et président et mon à l'époque candidat mon chéri pas prendre la parole. OK, c'est seulement ça. Voilà, député Keskoff Alfredo Antoine, mesdames, messieurs, clavé mais le temps coupons pilate dans dossier ça.
Il dit d'ailleurs installer directeur général pendant attribution, mais pour qui ça y a Alfredo dit, pour qui ça va dire l'autre député. Bon, mais voilà, ça veut dire ça, t'as capable dire avec Zemositeo. Est-ce que par bon bagaille en bas qui t'a fait quoi que pour qui ça j'en dis assez, c'est non député dans la cité, vous êtes cassé dans l'autre député, même là c'est pas ton député qui t'a dans la zone métropolitaine, non, mais au moins, oui, t'as cité dans l'autre, si c'est non député Alfredo Antoine cité. Bon, en tout cas, comme il dit que lui-même, il n'y a rien dans dossier ça, là, mettre un coup Ponce Pilate, eh bien tout ça pas entrer dans l'attribution parlementaire. Ça veut dire question à le marché installé, directeur, ça pas dans l'attribution. Mais si chaque ça député accédé dit qu'on savait, qu'on salte, il est bon. Oh, il est bon. Il est en train de faire travail, il veut combien qu'on attribue. Président République la Jovenel Moïse a poursuivi avec activité officielle li nan ville New York dans cadre participation dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Ayer mardi, président République la Jovenel Moïse t'est participé dans une activité qui portait nom Concordia Annual Summit 2018. Dans discours circonstance li, chef l'État rappelé gros bataille administration la mené pour capable renforcer gestion risque ak désastre dans pays a pendant y a fait promotion pour protection civile. En côté chef l'État pays à Jovenel Moïse. Le gouvernement haïtien renforce graduellement la gouvernance en matière de gestion des risques et désastres. En ce sens, le gouvernement a élaboré un cadre légal pour le renforcement du système national de gestion des risques et désastres et la promotion de la direction de la protection civile en direction générale de protection civile. 5 stations hydrométéorologiques ont été installées dans le lit de 5 rivières du pays, ainsi que 7 stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du sud et du nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La politique environnementale de la République d'Haïti inclut un vaste programme d'électrification nationale à l'aide des sources énergétiques propres. Je veux parler du solaire, de l'éolienne, l'hydroélectrique et la biomasse. Le gouvernement haïtien encourage la création de micro-réseaux électriques à base de sources d'énergie propres. Un projet pilote pour une petite communauté à l'extrême sud du pays, jumelant à la fois le solaire, l'éolienne, l'énergie thermique, permet d'envisager la reconversion totale de la matrice énergétique utilisant exclusivement les sources d'énergie propres. Le gouvernement haïtien entreprend un vaste programme de reforestation du pays. Il investit actuellement dans la mise en place de 14 centres de germoplasme de propagation végétale, forestière et fruitière. Déjà, en moins de 2 années, 3 centres de germoplasme capables de produire chacun 4,5 millions de plantules par année fonctionnent. 3 autres sont actuellement en construction. Pour mieux sensibiliser les citoyens, le reboisement est maintenant en train d'être intégré dans le cursus scolaire haïtien. À partir de l'exercice scolaire 2018-2019, l'activité de reboisement est obligatoire dans le programme du système éducatif haïtien. Chaque écolier haïtien devra mettre en terre au moins 100 plantules durant l'année scolaire. Voilà, nous autres côté président République là Jovenel Moïse qui après poursuivre avec activité officielle Lio dans ville New York dans cadre participation dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies côté Ayema Dia chef l'État t'est participé dans l'activité qui portait nom Concordia Annual Summit 2018. Faut que nous dit porte-parole président dans une porte-parole président qui c'est Martine Denis Chandler confirmé jeudi mercredi à soir même mais chef l'État gè pou le chita parler avec communauté diaspora haïtienne qui trouvait dans ville New York bien discussion pral chita précisément sur une capable bilan travail chef l'État déjà réalisé dans tête l'État.
gagne secrétaire général Moulega Flak, si Jean David qui dit le patent avec un lien sous participation président dans 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Oxygène David fait qu'on est président République la Jovenel Moïse a dû profiter intervention l'an demain jeudi 27 septembre dans ce tribunal Nations Unies pour demander la justice mettez en bas de tout le monde qui t'a gagoté fond Petro-Caribéa mandé avec un pile pays dans le monde qui toujours veut exploiter et s'enlever les ressources minières pour pas venir continuer faire travailler ça en Haïti mandé tout avec autorité américaine nous remettre nous l'argent y te prendre dans banque centrale et la trier eh bien en écouter Oxygène David qui t'a parlé comme ça dans le micro Radio Mega. Nous partons nous en rien. Parce que si des dirigeants ça yo d'accord pour yo soutenir Corée et pour ton projet. Projet c'est projet néolibéral là. C'est projet donc côté que pour FMI et Banque mondiale gain contrôle donc petit pays yo en soit pays yo appauvri yo. Et pas pays pauvre non pays yo appauvri. Donc Haïti son pays yo appauvri. Mais puisque Haïti son pays yo appauvri, mais gros institutions financières capitalistes yo, donc gros agences yo tant que ça cap joue rôle comme machine de guerre, USAID, Union européenne, tant que Banque mondiale FMI, tant que et l'autre grande puissance impérialiste yo gon gens yo comprennent Haïti et gon gens yo Haïti mais type de dirigeant ça nous gain là yo, tant que Jovenel Moïse cap joue rôle dirigeant, non pas attendre rien mais c'est continuer donc avec politique néolibéral là, c'est continuer pour tes projets grande puissance, c'est continuer donc livrer pays là, c'est continuer faire complot sous pays là, c'est continuer donc pas permettre à ce que pour gagner lumière fait sous question donc et l'argent Petro-Caribe a pas oublié donc Jovenel Moïse pas jamais en position pour donc yo marrer et voler nous ta même que le Seigneur qu'il fait il pas un vrai président et pas président pour nous même s'il c'est moun tout bon vrai soldat de gagner c'est pendant sous tribune Nations Unies il t'a doué en position pour dire donc yo doit marrer tout le monde qui te dit la pide fond l'agent Petro-Caribéa l'état doit composition pour le dire donc pays a pas de occupé l'état doit composition pour le dire donc question pillage ressources minières nous donc l'état doit finir avec ça l'état doit composition pour le dire donc la navaz donc et tout dire nous pas de en bas griffe grande puissance impérialiste l'état doit composition des classes l'état doit composition pour le dire donc et gros compagnie qui a vienne investir dans pays a pour finir avec question donc et main d'œuvre bon marché a dans kembe ouvrier yo dans salaire misère et l'état doit tout composition pour oui yo mandé donc 1000 gouttes comme ça les minimum bon il pas jamais proposition des classes ça il pas jamais proposition pour demander États-Unis pour nous capable récupérer la navaz il pas jamais proposition pour lui dire donc pour États-Unis remettre nous plus passer 10 milliards de dollars et te voler pour nous dans banque centrale il pas jamais proposition pour tout profiter demander la France payer Haïti donc plus passer 21 milliards de dollars il pas jamais proposition donc en position pour dire petit paysan yo donc yo pas doué rester en bas griffe ONG yo pendant cette temps passer misère pas jamais position ça en même nous même au niveau monégasque comme organisation d'élite nous partons nous aider lui-même c'est même ça qu'on dit yo toujours en bas une politique néolibérale pour faire plaisir avec grande puissance yo pour faire plaisir avec la France Canada États-Unis qui dans région cap tout plaisir Haïti pour faire plaisir avec donc institutions financières capitalistes pour faire plaisir toi avec Antonio Guterres côté que dit a faire plaisir pour le capable joindre support et type de dirigeant ça yo pour le capable joindre support donc et type de pays ça yo pour bataille cap mener contre pour arriver capoter là capable passer donc et comme une lettre à la. Voilà donc, secrétaire général Moléga Oxygène David, mesdames, messieurs. Organisation victime choléra Haïti a annoncé un sitting pour journée mercredi devant palais de justice sous bicentenaire dans l'idée pour exiger autorité concernée au mété campé. Commission qui chargée pour planifier dédommagement toutes victimes choléra yo Jean Accord qui était signé entre Nations Unies et dirigeants haïtiens dans l'état sous dossier ça. Dans ce sens, coordonnateur général Ovitch Laberto Niclément, mandé tout secteur en vie nationale la poté collé dans cadre mouvement sa yon manière pour continuer réclamer justice et réparation pour famille victime yo. En côté Berto Niclément, li tenan micro Peterson Blaise. Demain mercredi, cap 26 septembre, côté toute victime choléra yo ap devant palais de justice pour demander l'État haïtien pour mettre commission accord qui a été signé ensemble avec Nations Unies. Côté, il a été dit là pour ça, en cas où tu as gagné une victime, Nations Unies t'a la cause, victime dans le pays, pour y a mettre une commission sous pied pour planifier des dommages. Ça a gagné 8 ans, depuis 2010, côté Nations Unies, victime peuple haïtien avec choléra. L'État haïtien n'a pas jamais pris décision pour mettre la commission en soupe. Dans ce sens, nous, Ovitch, pas voir Ovitch, nous avons toutes victimes qui en Haïti
nous demander pour les Nations Unies et pour l'État haïtien mettre la commission sous pied. Sans perdre de temps, sans parler, et nous aller plus loin. Pour nous dire, il faut que vous mettez les représentants victimes dans la commission qui accorde pas prévoir. Mais c'est nous-mêmes qui sommes victimes. C'est nous-mêmes qui connaissons comment nous l'avons. C'est nous-mêmes qui connaissons. L'entité de choléra, comment nous sommes sentis? Nous ne sommes pas capables de faire des gens à décider pour nous sans nous-mêmes nous parler en commission. Victime, yo dit, si l'État haïtien ne prend pas de décision pour faire commission, sans perdre de temps, il y a environ 1 million de gens qui sont victimes de choléra dans le pays. Nous devons mobiliser tout le monde pour nous prendre la rue, pour nous forcer l'État à mettre la commission en sous-pied. Le sens ça, nous avons invité toute base, toute organisation populaire, nous avons invité tout le monde, tout haïtien, pour venir supporter les victimes de choléra devant le palais de justice mercredi 26 septembre. Proche victime choléra dans la localité Bokouzel, La Chapelle, Mibale, dénoncé rapport responsable dans les Nations Unies, mettez dehors pour faire quoi Yoshita parler à quelle famille victime sous cause des dédommagement. Une proche victime, Kitler Alcimeus, annoncé un gros mouvement sous place publique à Mibale. Demain, jeudi 27 septembre, il y a une manière pour continuer à exiger justice et réparation pour parents victimes choléra. En écoutant Kitler Alcimeus dans micro, Radio Mega. Position victime choléra yo. Sous rapport secrétaire général Nations Unies sous dossier choléra. Nous-mêmes victimes choléra dans La Chapelle, Bokouzel, Savanet, Sodo, Boukankaré, spécialement dans Mibale qui fait partie de 5000 victimes qui t'ai porté plainte contre l'ONU et depuis passé 7 l'année qu'a fait déployer, qu'a fait plaidoyer pour Nations Unies dédommager nous avec toutes l'autre victimes choléra yo. Nations Unies pas de consulter nous et nous pas au courant non plus, Nations Unies a fait consultation dans la commune qui donc nous pas reconnaître rapport ça. N'a pas rappelé pour population, nous-mêmes victimes choléra, dans façon nous organiser tête nous dans Mibale pour plaidoyer réparation victimes choléra et avancer, nous gain comité dans différentes sections communales Mibale qui gain représentants diverses localités qui fait partie section yo. Qui donc pas gain gens pour Nations Unies a fait une vraie consultation pour ces pas nous l'ita consulté et même s'il t'a décidé refuser consultation nous t'a au moins gain information gain en démarche consultation dans commune non d'ailleurs nous t'ai paré pour consultation parce que BAI et IJDH préparé un document côté yoté informé nous et formé nous sous bon côté et mauvais côté des approches l'ONU t'a qu'à envisager pour réparation nous réparation individuelle ak projet communautaire. Rapport secrétaire général l'a montré à clair, l'ONU pas gen volonté pour faire une vraie réparation. Les Nations Unies choisi mettre sous côté victime qui t'a fait plaidoyer yo. Et puis annoncer prochain consultation yo, c'est à projet communautaire. Qui donc Nations Unies éliminer possibilité pour victime choléra yo choisi dédommagement individuel. Dans sens ça, n'a lancé un appel by Jovenel Moïse qui a rencontré jeudi mardi 25 septembre avec gros dirigeant Nations Unies et qui a bien pour parler dans l'Assemblée générale là jeudi 27 septembre là exiger Nations Unies fait une vraie consultation dans respect droit victime choléra yo et puis annoncer l'état haïtien boal commencer processus pour mettre sous pied commission réclamation permanente là pour choléra selon accord siège là. Une même organisation qui a supporté victimes choléra dans cadre bataille a mené pour joindre des dommages yo. Oxygène David lui-même tout dénoncé rapport dirigé aux Nations Unies qui dit au Téchita parler avec victimes yo. Responsable ou bien secrétaire général Mole Gafla fait qu'on est lui-même y a poté collé dans cadre mobilisation proche victimes yo a organisé dans ville Mirbal le 27 septembre cap venir là. Oxygène David toujours dans micro Peterson Blaisan côté. Nous saisi ouais, une l'autre fois encore comportement Nations Unies là bay menti. Nations Unies dit donc à travers rapport qu'il met dehors déjà, OK, Antonio Guterres qui c'est secrétaire général là, il dit donc dans rapport il met dehors dans non Nations Unies, il dit donc Nations Unies à travers des dirigeants représentants, ils étaient chita avec victimes choléra
donc nan mi balai, yo te chita avec des séries de moun ki nan société civile là, yo te chita avec moun ki se leader religieux yo, yo te chita avec des séries de dirigeants locaux yo ki nan plateau central. Sous dossier choléra, côté que yo te chita nan logique pou fè consultation. Consultation, c'est garder pour voir qui moyen, qui voit moyen à utiliser pour être capable voir si victime choléra est capable de nous bagaille dans question projet communautaire, dans question donc et quel type de dédommagement. Ça c'est menti qui est lié, pas jamais gagne une victime, pas gagne un représentant victime, pas gagne une organisation qui tape bataille beaucoup de victimes, fait solidarité avec victimes qui au courant de ça. Par exemple, on les gars BAI, IJDH, nous pas au courant de ça, c'est menti qui est lié. Nous saisi ouais. Donc, nous secrétaire général, une grosse organisation tant que Nations Unies n'a pas menti. Amen, nous même au niveau Moulegaf, nous dénonçons ça, nous dit donc ça c'est continuer cracher donc sous lit toutes les victimes choléra menées ensemble avec toute organisation d'élite tant que Moulegaf, c'est humilier donc victimes choléra yo, c'est utiliser des stratégies manœuvres pour victimes choléra pas joindre donc dédommagement yo. Donc question consultation, nous d'accord, victimes d'accord, mais victimes quoi l'on logique dédommagement individuel. Nous même nous l'on logique pour Nations Unies dédommager victime goleur. Dans ce sens, nous demandons pour toute organisation qui fait solidarité avec victime yo, continuer faire solidarité avec yo pour lever voix, prendre position pour toute victime yo, jeudi 27 donc septembre. Donc toute organisation yo, spécialement Moulegaf, nous pour aller mibale pour nous dénoncer plan ça, pour nous craser laboratoire ça et pour nous continuer mener bataille politique pour nous arriver à protéger Jovenel qui a fait jouet donc communauté internationale là, qui a fait jouet grande puissance impérialiste yo pour capable kembe victime goleur yo dans crasse dans misère pour avoir des dommages. Voilà, mesdames, messieurs, sur le côté oxygène, David, est-ce que les grands problèmes, Mirbalè, ben, dans le fond, coup de pied avec Némi Joseph, Mirbalè Blaise, puisqu'il est assemblé, en situation, et dans l'hôpital, et Mirbalè. On a regardé. Némi Joseph, j'en suis dit là, au matin samedi, mais gain l'hôpital, Zami La Santé, qui trouvait dans la commune, Mirbalè, eh bien, situation ça, pour pas avoir avec comportement ou bien négligence, mais que certains médecins, bien, cause que mes patients yo même pas six semaines plein. Et ben regardez-nous avec Némi Joseph qui c'est exactement information. Némi Joseph, bonjour. Bienvenue dans le journal Mega Matin. Dis-nous non, qui c'est information y est dans niveau l'hôpital Zami La Santé dans Mibale. Bonjour Blaise, bonjour Salomon, bonjour avec tout si la yo kap entendre radio à Radio Mega rapidement qui de nous dire que Blaise nan l'hôpital Mirbalè HIM en da 10 ans la santé gen un multiplein depuis quelques jours que ce soit moun ka l'hôpital là par rapport à négligence quelques médecins ça vient cause que gen des moun qui mouri gen des moun yo kon fait opération yo qui t'étoile gaz là en dedans yo gen de moun ki kon vini l'hôpital nan kap soufri ou yo pa jwenn kabann gen de moun tout ki pèdi jan nou diyan la vi yo men kite nou dou blè sa fè lontan peyizan yo sa fè lontan an pil moun a plenye problèm sa a koz neglijans an ta di responsable l'hôpital lan an ta di ke kèk medisen swa k pa vin travay a lè ou kon ale l'hôpital lan nan sal dijans lan ou jwenn 2-3 medisen ki responsable sa kap jwe e gen sou telefon yo, ça a besoin game sous laptop yo son situation côté que en pile monde blesse vraiment en pile monde plein mais en l'autre côté moi même comme journaliste moi parler avec responsable l'hôpital là yo reconnaître petit problème là il a essayé pour yo là comment était capable râler oreilles quelques médecins forme de que cause négligence ça vienne la cause en pile monde perdu la vie yo dans l'hôpital HIM là qui t'a vraiment de repenser parce que trois monde plein Jean l'hôpital là lui-même l'a servi. Nous t'ai parlé avec un docteur Chanfant pour question scanner hein, puisque on est en pratique en dedans l'hôpital là côté qu'on doit faire examen ou dou pas gain li ou va faire l'autre côté soit ou en dedans Port-au-Prince soit ou en dedans Delma 65. Donc l'hôpital Zami La Santé qui sur route pour venir tant pour l'hôpital général. Donc en pile monde plein en tout cas nous souhaiter que dirigeant staff l'hôpital là relé dans les médecins yo relé dans les monde qui porter en pile négligence parce que
Blaise, en pile paysan plein à cause de négligence qui potait en dedans l'hôpital universitaire de mi emballé 10 ans mi la santé n'a fini Blaise nous doit insécurité en la vallée terrain en mi emballé vraiment vallée terrain depuis dans le 6e monde pas sorti depuis temps de la chavier 5h 6h Blaise monde pas prend qu'un taxi pour ou taxi tout pas tellement dans la rue parce que on connaît que pratiquement on doit pour ton monde l'heure descend pour aller cop ba ou et pour ses amener à l'église d'où tout à la pied bam moto. Donc c'est de tout ça qui t'a dominé actualité en an à plateau central ville Mirambalé. Némi Joseph, Radio Méga. Merci Némi Joseph depuis plateau central Mirambalé. Soit informé aux mêmes amis auditeurs sous situation ça qui existait dans l'hôpital et amis la santé dans un temps côté négligence en certains médecins et bien la cause en pile patient eux même à connait moment difficile dans l'hôpital amis la santé côté et bien population habitant yo mandé avec responsable hôpital yo mandé avec autorité concernée et bien mais pour font gens avec médecins yo pour permettre que service yo baille normal pour éviter empêcher mais patient yo même gain problème et même pour t'a dit que pas ta même rivé bédi la vie yo dans situation ça et bien patient mandé pour que gagne et diligence qui fait bon côté médecin pour capable faire travail comme ça. Donc on samedi nous pas proposer ça mais avant nous proposer ça on garder nos quelques points n'a pas pour développer l'en retourner. Avant de proposer là n'a rappeler l'en tourner n'a développer point ça pour vous. C'est en présence ambassadeur pays Canada André Frinette, premier ministre Jean-Henri Seyan, office management à ressources humaines lancé à Yemadia dernière phase un séminaire sur finalisation programme modernisation l'état PME 2023 yo. C'est une activité qui réunit premier ministre Jean-Henri Seyan, ambassadeur pays Canada en Haïti, ambassadeur pays la France plus en pile gros fonctionnaire dans administration publique là. Gagné deux journées séminaire assemblée parlementaire francophone yo qui prend fin à Yemadi à tout au niveau parlement haïtien. Joseph Lambert président Sénat, il dressé un bilan positif de deux journées échange ça yo. Directeur exécutif Défenseur plus là Antonal Mortimer dénoncé décision Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ prend pour désigner commissaire gouvernement Port-au-Prince là Maître Oknam Klamé Dameus comme coordonnateur direction inspection judiciaire dans CSPJ. Tout ça yo dossier k'ap fait par l'ampile dans occasion journée internationale pharmacien yo gen association pharmacien haïtien qui organise un colloque à Yemadia en baptême mon pharmacien mon bouclier mon conseiller n'a gagné pour nous parler des dossiers ça tout 23 septembre qui se passé là. Fait déjà 5 années depuis autorité dominicaine ont été sorti arrêt TC 168-13 là. 5 années après dominicain d'origine haïtien ça yo toujours dans situation apatride de la caille voisin côté vraiment limité dans action yo capable poser malgré président Danilo Medina t'a tenté limiter dégâts décision raciste ça ak yon l'autre arrêt. Situation toujours été compliquée pour haïtien d'origine yo qui en République dominicaine l'en tourner mesdames messieurs n'a gain pour débat différents points ça avant mais qui t'en rappeler ou soit peine branché ou suivre 3 regardez nous deux journées séminaire assemblée parlementaire francophone APF prend fin Yemadia au niveau parlement haïtien côté parlementaire qui sorti dans 85 pays francophone t'a échangé sur différents thèmes tant coup paix ak démocratie série échange ça yo te permettre yo partager expérience ak parlementaire étranger ça yo sur façon yo capable fonctionner d'après président Sénat République là Joseph Lambert qui félicité Tetio pour activité ça qui était une réussite en le président de l'Assemblée nationale, là, Joseph Lambert, qui t'a parlé concernant le micro, Romanès samedi. Haïti est membre de l'association, membre fondateur de l'association parlementaire de la francophonie. Chaque année, l'APF se réunit en un lieu donné, un pays, où les 85 pays membres fondateurs de l'APF ont l'opportunité et l'occasion d'avoir des échanges sur le mode de fonctionnement des différents parlements, les problèmes auxquels ils font face, et aussi l'occasion de débattre des thématiques d'actualité, d'environnement, etc. Durant ces deux jours, on a eu l'occasion de débattre et de traiter de plusieurs thèmes. L'idée générale, c'est de voir comment on peut, à travers bien sûr les expériences acquises faites par les différents parlementaires de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, comment ils fonctionnent,
et de permettre aussi à ces parlementaires de partager leurs expériences avec nous autres et de faire aussi un parallèle entre leurs expériences et les mesures. On a débattu de plusieurs thèmes. Ce qui est important, c'est faire en sorte que nos fonctionnaires parlementaires, nos collègues parlementaires puissent s'approprier les expériences faites par les différents collègues de l'Amérique du Nord. Chef délégation APF la député Basatigi Fofana lui-même tout fait connait débat au Tchita en pile sous démocratie et puis si tout rôle opposition dans un parlement député Côte d'Ivoire qui paraît satisfait sous différents échanges avec parlementaires haïtiens yo quoi gain passé mais qui doit fait ni dans système en Haïti à dans notre système yo tout en côté député et Côte d'Ivoire Basatigi Fofana lité dans micro radio méga. Nous avons conduit la délégation donc de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie pour, dans un premier temps, ce séminaire qui nous a permis d'échanger avec les parlementaires haïtiens sur le Parlement donc et la démocratie. Ce séminaire nous a permis donc d'aborder plusieurs thèmes relatifs notamment aux relations majorité-opposition, au rôle donc de l'opposition. Vous savez que dans une démocratie, en tout cas, il est important qu'il y ait un contre-pouvoir qui, de temps en temps, essaie donc de créer l'équilibre. Donc, il fallait parler des relations et des rôles de l'opposition. Ensuite, nous avons abordé donc les questions liées donc à la responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, comment, quelles sont les procédures et quelle est l'expérience vécue dans les autres espaces. Parce qu'il faut reconnaître que les différents intervenants viennent de différents continents. N'a toujours été dans même dossier ça sous bois par député Annie Makitrik quoi mission parlementaire haïtien yo ak parlementaire étranger yo pas différent qui donc yo tout a travail pour développer pays yo et permettre citoyen yo vivre une situation normale. Yo l'autre bord député Alberta félicité bataille mesdames yo a fait pour intégrer espace politique yo surtout dans différents parlements yo dans monde là. En côté député Annie Makitrik il était parlé concernant micro collaborateur nous Romane Samedi. Je reconnais qu'en tant qu'élus, nous sommes élus pour les mêmes raisons quand on est élu en Haïti ou nous sommes élus au Canada et pour moi, pour la province d'Alberta. Nous sommes élus parce que nous voulons vraiment travailler pour notre pays et voir notre pays se développer et voir nos citoyens avoir tout ce qu'ils ont besoin. Alors, je pense pour moi, c'est une très bonne expérience de mieux connaître ce qui se passe dans Haïti, de ce qui se passe dans la Chambre des députés du Sénat et de reconnaître que nous sommes tous frères et sœurs en tant qu'Ivoire. Alors, on a pu échanger les différentes façons de concevoir l'Assemblée et le travail des députés. Et j'avais rencontré plusieurs femmes parlementaires lors de la session de la PF au Québec et j'étais vraiment très contente de renouer connaissance avec deux de ces, une députée et une sénatrice. Et je remarque qu'un des bénéfices d'avoir des femmes au Parlement, c'est qu'on peut discuter de choses qui touchent tout le monde, hein, que c'est très important d'avoir une diversité dans un Parlement et j'aimerais féliciter ce qui se passe ici en Haïti, que vous travaillez avec le leadership de la sénatrice sur ce sujet et que vous inquiétez de s'assurer la diversité de femmes. Anima Kitrik, mesdames, messieurs, c'est député Alberta qui trouve le nan pays Canada. Gen directeur exécutif Défenseur Plus, là, Antonal Mortimer, qui dénonçait décision Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ prend pour désigner commissaire gouvernement Port-au-Prince-là. Mais tout nam clamé Dameus comme coordonnateur direction inspection judiciaire dans CSPJ. Une décision qui pas cadré avec la loi d'après défenseur droit moun lan ki mande CSPJ retourner rapide vite sous désignation ça pour éviter commissaire gouvernement vin influencer travail juge dans CSPJ en tonal dans Mortimer a répondre Salomon Sidmé. Bon au niveau des défenseurs plus nous apprenons avec consternation décision conseil supérieur pour judiciaire prend pour désigner Maître Lamé Dameis, qui c'est commissaire gouvernement Port-au-Prince et conseiller dans CSPJ, coordonnateur direction de l'inspection judiciaire. Pour nous-mêmes, décision ça, lui contraire avec loi loi qui créait CSPJ et article 60,
constitution qui parlait de indépendance chaque pouvoir dans l'État qui doit exercer attribution de séparément. Nous condamner et décider ça qui est capable de nuire à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais qui a faibli tout, ou bien qui est déjà très faible, parce que une série d'agents exécutifs qui déjà influent à la donne, une série de juges ou magistrats qui ont même pas fait preuve de professionnalisme. Et sous-prend un commissaire gouvernement ou mettez Kounia pour superviser travail juge à différents niveaux. Donc ça c'est pas du tout l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et là nous connaissons le rôle important rôle direction section judiciaire à jouer selon l'article 20 loi qui crée CSPJ. Nous vraiment trouvé inacceptable et inconcevable pour confier pour ça à un agent exécutif là. Dans ce sens, nous-mêmes, nous voulons rappeler pour l'opinion publique là, par une pièce côté dans la loi, les gens sont capables de conseiller et en même temps pour exercer une attribution direction de l'inspection judiciaire. Dans ce sens, pour nous-mêmes, Metoknam a une triple fonction, ou bien Livin a une triple fonction, les commissaires gouvernement, les conseillers, les cognats, c'est coordonnateur de l'inspection judiciaire. Donc et ça, pour nous-mêmes, nous trouvons qu'il y a vraiment un amalgame dans le pouvoir judiciaire là. Nous recommander CSPJ puis simplement retourner sous décision ça. Voilà, de notre côté, directeur exécutif collectif Défenseur Plus là, qui c'est Antonal Mantimé, qui dénonçait décision conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ prend pour désigner commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Oknam Klamé-Damius comme coordonnateur direction inspection judiciaire dans CSPJ. L'autre information, Office Management a créé sous Zimène dans CIMADIA dernière phase, un séminaire sous finalisation programme modernisation l'État PME 2023, une activité qui était réunie Premier ministre Jean-Henri Séan, ambassadeur pays Canada en Haïti à André Frenette, avec plusieurs gros fonctionnaires dans l'administration publique là. Dans le discours circonstance, coordonnateur MRH là, Joseph Pierre lui retournait sous importance document ça, by garantie en bas leadership un nouveau Premier ministre, la privée fait gros réformes dans l'État. Plus de détails avec coordonnateur MRH là, Joseph Pierre lui, il était marqué par les concernant dans le micro, Jean-Philippe Masséan. C'est ainsi que le comité d'élaboration du nouveau programme s'est engagé dans un processus inclusif, associant des hauts cadres issus de toutes les structures de l'État ainsi que des acteurs non étatiques autour de cette vision. Chacun et chacune, plus individuellement, dispose d'une expérience, d'une expertise ainsi que d'une capacité d'engagement et de suivi au service de la réforme administrative qui apportera une valeur ajoutée à notre travail collectif. C'est le lieu de rappeler que lors de sa déclaration de politique générale devant le Parlement, le Premier ministre, Son Excellence Jean-Henri Séan, a solennellement pris l'engagement de transformer l'administration publique de notre pays en un appareil efficace et efficient, capable de répondre aux besoins de la population. Il a dit devant les honorables députés et sénateurs, l'État doit se réformer parce que la société l'exige. Dans le moment, un pile monde a reproché mauvaise qualité service qu'a bail dans l'administration publique. Yon. Réforme l'État, c'est plus passé une nécessité pour nouveau gouvernement. D'après Premier ministre Jean-Henri Séan, qui m'a dit tout fonctionnaire à appliquer programme modernisation l'État PME 2023, qui va mettre le pays à souhait développement d'après Saldi, noté Jean-Henri Séan. De nos jours, la crise des finances publiques, le débat sur les maigres résultats des interventions étatiques, le mécontentement des citoyens et des citoyennes par rapport à la non-satisfaction de revendications, l'inaccessibilité et la mauvaise qualité des services offerts à la population sont autant d'alertes qui obligent les administrateurs et administratifs de l'État à adopter de nouveaux paradigmes. Le recours à des indicateurs de performance s'affirme comme un passage obligé dans les régimes démocratiques. Désormais,
Les fonctionnaires doivent, dans le processus d'élaboration des politiques publiques, tenir compte d'un ensemble de concepts élaborés dans les organisations internationales et qui s'imposent à notre administration nationale. Il s'agit entre autres de la bonne gouvernance, du développement durable, de l'équité de genre, de la prise en compte des personnes à besoins spéciaux, de la gestion axée sur les résultats, GAR, qui inclut la gestion du changement et la reddition de comptes, de l'accessibilité et de l'amélioration de la qualité de service, de la participation citoyenne, etc. L'autre nouvelle dans le journal Méga Matin, gain député Deus Deronette qui félicite ministère intérieur collectivité territoriale qui a travers une note mandé Kazek qui vient déposer un projet qui coûtait 1 million goud dans ministère pour permettre de bénéficier fonds ça qui a lieu à la collectivité territoriale. Député Marigua qui dit il était déjà bataille pour ça, encourager membre conseil administration section communale pour tes projets ça dans ministère. En côté député Deus Deronette, il était parlé concernant micro romane samedi. Pour nous capables de faire information et puis vite joindre toute Kazek qui n'a pas eu n'importe côté par rapport à la discussion, nous avons été entamés au niveau téléphone à ministre intérieur pour qui mesure nous sommes capables de permettre une collaboration ministérielle pour l'agent qui a loué à la section communale 1 million de gouttes que nous tous connaissons, capable de virer sous compte intérieur de préférence pour Kazek lui-même soit capable de river, faire dépôt pour Géo dans un bref délai dans le ministère intérieur. Et de là, ministre a sorti notre là, il a sorti une note qui demandait bien rapide pour tout Kazek yo capable river déposer un petit projet qui environ 1 million de gouttes yo gain pour décaisser déposer li dans ministère intérieur et faire rapide joindre ça qui ta gain en termes de consultation pour capable river porter en solution dans zone yo respectivement. 23 septembre qui s'est passé là, c'est fait déjà 5 années depuis l'autorité dominicaine qui a sorti arrêté ces 168-13 là. 5 années après dominicain d'origine haïtienne, yo toujours dans situation apatride la caille voisin. Côté yo vraiment limité dans action yo ka poser malgré président Danilo Medina t'a tenté limiter les gars décision raciste ça ka coûté à qui on l'autre arrêt li te prend, mais situation toujours été même gens d'après responsable programme Gala Angelo Brutus qui mandé autorité dominicaine yo prend responsabilité devant situation difficile haïtien yo ap connaît la caille voisin. En côté Angelo Brutus li te nan micro Jean-Philippe Massier. 23 septembre 2018 là, ça fait exactement 5 ans depuis la Cour constitutionnelle dominicaine te prend un arrêt qui est le 168-13. Son arrêt qui a dénationalisé plusieurs centaines de milliers de Dominicains qui ont racine dans le pays d'Haïti. 23 septembre, là, qui se passe à faire 5 ans depuis l'arrêt Sabrin, son arrêt que vous qualifiez de génocidaire, son arrêt discriminatoire, et son arrêt qui arbitraire parce que c'est des personnes qui vivent paisiblement dans le pays comme citoyens et citoyennes dominicains. Et tout d'un coup, la Cour constitutionnelle paysa prend arrêt ça, côté de retirer la nationalité dans les mondes. Et jusqu'à présent, Mounzayo est dans un flou total, une confusion par rapport à Mounzayo qui perd la nationalité. Et nous constatons que le monde perd la nationalité. L'autre point d'actualité, dans l'occasion Journée internationale pharmacien, il y a une association pharmacien Haïti qui a organisé un colloque à Yamadi 25 septembre dans en baptême. Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller, Pierre-Hugues Saint-Jean, qui est président APH, dans l'occasion rapporté Organisation mondiale la santé, OMS, a révélé sous chaque 10 médicaments pour Pépiti Gayoun qui faut dans le pays développé. Une situation qui poussait pharmacien à croire en Haïti gagne environ 7 médicaments qui faut lui-même sous chaque 10. Dans ce sens, monsieur Saint-Jean encourage l'autorité dans l'État pour prendre bon jamais-y pour régulariser ce que ça. Faut nous dire Haïti vraiment, c'est celle côté où est lui-même, les plaquettes lila, et même tomber devant nos médicaments, de vous dire, quand tu fais mal là, et bien, on prend tel compris. Mais ça veut dire que, question ça, et bien, c'est un problème sécurité publique, c'est une question tout, santé, MSPP tout, et bien, organe qui concerne eux, prend responsabilité. Donc, d'après Pierre-Hugues Saint-Jean, qui est responsable, association pharmacien Haïti, en côté, il était pas les concerts dans le micro, Germina Violui. C'est un colloque que nous organisons dans le moment Journée internationale du pharmacien.
Donc colloque la ligne pour thème mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller. Donc pharmacien il joue un rôle de bouclier qui Jean. Donc nous connaissons que à travers le monde, nous avons un problème de médicaments contrefaits. Donc maintenant, c'est un problème mondial et OMS montre que à travers le monde, sur chaque 10 médicaments, il y a un risque pour nous gagner un médicament qui contrefait. Donc maintenant, dans les pays qui sous-développés, tant qu'Haïti, risque d'aller un peu plus loin, nous avons gagné 3, 4, 5 jusqu'à 7 médicaments sur 10 qui contrefait. Donc c'est-à-dire que si je dis alors lever ou lâcher ton médicament, sur 100 médicaments qu'on va acheter, il y a un risque pour joindre environ 30%, 40% de l'eau qui c'est faux. Donc maintenant, pharmacien lui-même, il y a une aptitude pour être capable d'identifier le fait que tout est manié médicament pour identifier ce qu'il faut, pour être capable de protéger le patient. Donc, d'où le rôle de bouclier. Le rôle de conseiller maintenant, dans le traitement, non seulement pharmacien lui conseille le patient, mais il conseille tout l'autre professionnel de santé, tout le monde qui a un rapport avec médicament. Donc maintenant, pharmacien toujours a travaillé de concert avec médecin pour être capable d'optimiser le traitement patient à recevoir. Donc, d'où son rôle de conseiller auprès du médecin. Malheureusement, ça ne devrait pas avoir lieu pour un pays où une pharmacie légale, pharmacie illégale. Donc, si